Je m'appelle Thierry Robertson, j'ai 50 ans, je suis un jeune auteur et je suis originaire de la région parisienne, particulièrement aussi de Saint-Denis. Et je suis descendu à Perpignan pour écrire, pour devenir écrivain. C'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille rousse aux yeux verts qui est atteinte d'une maladie orpheline descendue tout droit de la guerre de 14, de la Première Guerre mondiale. Cette jeune fille marche souvent de travers sans jamais savoir pourquoi, sauf quand elle grimpe les côtes. Elle monte la rue de Belleville et au croisement de la rue des Pyrénées, elle découvre un lieu magique, un cabaret populaire. Elle rentre dans ce lieu, elle découvre un poète, Thibault Laval, alias Ludovic Tirard. Nous sommes dans un univers de slam chapeau, où l'ensemble du public peut directement noter les poètes en y mettant de l'argent, tout simplement. On peut y mettre aussi bien 1 centime que 500 euros. Et dans ce championnat, il va réussir à remporter cette soirée. Elle va décider de tout simplement lui consacrer toute sa vie, jusqu'à qu'il devienne vraiment champion du monde, le maximum. Elle va y consacrer toute sa vie. C'était juste un déclic sur une photo, tout simplement. Je me suis imaginé savoir si quelqu'un avait été fan de mes textes ou fan d'un poète quelconque. Et à partir de ce moment-là, l'histoire est partie. Et c'était très symbolique puisque c'était la veille d'un concert que j'apprécie tout particulièrement et qui m'a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de magie. Il n'y a rien de facile dans la vie de toute façon, c'est donc par conséquent déjà le milieu artistique n'est pas un milieu facile. Est-ce que c'est un milieu déchirant maintenant? Ça peut être un milieu très déchirant puisque la concurrence entre les artistes est très forte, le statut des intermittents du spectacle est très très compliqué avec toutes les règles qui ont été mises ces dernières années. Et ce qui fait que, bien évidemment, le milieu artistique est un milieu qui peut être déchirant. Les artistes se critiquent les uns les autres. Et c'est un milieu qui est très difficile, avant tout. Déchirant, maintenant, il peut être déchirant, tout comme il peut être enivrant. Parce qu'une fois qu'on est sur scène, on est livré au public. À ce moment-là, tout est facile. C'est avant tout un sport, le slam, parce que c'est considéré comme une discipline sportive oratoire, donc c'est un sport de l'art. Et c'est au travers de l'amusement, justement, qui est proposé à l'ensemble des artistes, mais aussi à l'ensemble du public, de pouvoir s'essayer à dire simplement un poème, puisque le principe, il est de venir sur une scène slam pour dire un poème, selon des règles bien définies que vous pouvez directement retrouver d'ailleurs sur le site internet de la Fédération Française de Slam Poésie. Et c'est vraiment quelque chose de très structuré, puisque le slam avant tout est un sport, un art et un amusement, mais sans musique derrière. Et c'est très très important de pouvoir respecter, parce que ça permet à tout le monde de pouvoir monter sur scène à un moment ou à un autre jusqu'à aller au plus haut niveau. Alors, FM Club, c'est un univers qui est assez ambigu, puisque tout d'abord, déjà, certains artistes peuvent se retrouver avec une cinquantaine de fan clubs. Ça s'est surtout beaucoup répandu depuis le début des années 2000 avec l'arrivée d'Internet, où tout le monde, et de Facebook aussi un peu plus tard, où tout le monde avait eu la possibilité de créer son propre fan club. Avant, les fan clubs, c'était beaucoup plus structuré, bien mieux structuré. Il y avait un journal, il y avait des rencontres, il y avait des soirées, il y avait des choses qui étaient vraiment extraordinaires. Et là, depuis que Internet existe, ça serait plutôt jusqu'à des fois même des insultes entre les fans, des insultes contre l'artiste. Tous les auteurs, quand ils écrivent par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils entendent, par rapport à ce qu'ils ressentent
On voit un personnage dans la rue, on va tout de suite l'identifier, on va le mettre directement sur le livre. Comme tout écrivain, bien évidemment, on continue à écrire, faire des romans, et je me suis même dit si j'avais pas envie moi-même de faire une librairie. Une librairie pour tous les auto-édités et aussi pour toutes les personnes qui passent par divers biens de l'édition alternative. Je voudrais remercier tout particulièrement les personnes qui m'ont accompagné dans ce projet, qu'ils soient bien sûr présents juste à côté de moi ou très très loin. Et en premier, bien sûr, je pense que je remercierai bien sûr Mylène Farmer avec son concert Timeless 2013. Je vais remercier aussi tous les slameurs que j'ai rencontrés, le fan que j'ai rencontré une nuit dans une soirée qui m'a fait découvrir la poésie, ensuite qui m'a emmené directement dans le milieu du slam, qui aujourd'hui m'accueille ici sur la région parisienne. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont reçu ce livre, notamment Gérard du Gem de l'Entretemps à Saint-Denis, qui m'a beaucoup aussi accompagné, m'a donné beaucoup de conseils sur la façon de faire les phrases. Et je voudrais remercier aussi, bien sûr, tous les lecteurs qui vont lire ce livre, et bien sûr, mon éditeur et des livres.